Associations des personnes vivant avec handicap de 26 provinces ont apporté leurs enrichissements aux différents documents présentés par l'expert du ministère du Plan à travers le CNAREC, secrétariat national pour le renforcement des capacités pour atteindre une vision sociale. L'exercice a été vraiment participatif parce que la règle d'or dans ce genre d'exercice, c'est de respecter l'approche participative. Ils ont fait des commentaires, des enrichissements. Ils ont formulé aussi des critiques et je pense que dans la version finale, on va essayer de tenir compte de tous ces éléments pour que le document réponde au mieux aux différents défis et aux besoins des populations concernées à la base. Cette initiative de la ministre Irène Sambo-Diatta de mettre à la disposition du ministère un arsenal juridique visant la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap a été saluée par le participant. Dans le Haut-Katanga, on pensait que le ministère ne faisait rien. Il fallait lui laisser le temps de mettre ses socles. Et là, nous voyons que nous avons son Excellence Maman Irène qui a vraiment la volonté de faire de la personne avec handicap une personne valorisée. Je vais rentrer dans ma province du Maniema avec les surplices de ce que je connaissais sur les droits et promotion des défenses des droits des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée a présenté à l'assistance le projet de stratégie nationale de mise en œuvre de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap. Qui pour remplacer Feu Martin Ekanda à la tête de la structure des personnes vivant avec handicap? Ces dernières sont en assemblée générale pour procéder au vote. Chimène Dondo. Après la mort de leur président Martin Ekanda, la Fédération congolaise de personnes vivant avec handicap, FECOPEA, a organisé pour la première fois l'Assemblée générale avec tous leurs coordonnateurs de province. Ils ont organisé les élections pour le nouveau comité qui va diriger M. Shindani Komba-Komba. Nous venons d'organiser une Assemblée générale élective légale. Je dis bien légale parce qu'elle a connu la participation des associations affiliées à la FECOPEA, toutes les catégories confondues, qui sont opérationnelles sur le terrain. Il y a aussi la participation de nos coordonnateurs provinciaux qui se sont sacrifiés pour quitter des milliers de kilomètres afin de venir participer à cette Assemblée générale élective légale. Je veux ici exprimer mon regret d'avoir perdu un baobab, notre président national, Martin Kanoudiangongo, que je viens de remplacer et qui a beaucoup sacrifié sa jeunesse pour que cette FECOPEA puisse aller de l'avant. Je vais seulement emboîter son pas et je vais faire en sorte que ce qu'il a laissé comme testament, donc la FECOPEA, puisse exister réellement. En effet, les personnes vivant avec handicap ont encouragé le nouveau comité pour la bonne marche de leur fédération. Le secrétariat technique de l'ITIE RTC et la société civile ont échangé sur la participation de cette dernière aux travaux de la mise en œuvre de l'ITIE en République démocratique du Congo. Peggy Mukunda et Tony Djuma. D'ici janvier 2022, la RDC attend sa deuxième validation du processus ITIE international. Et pour y parvenir, il faudrait donc s'assurer si la participation de la société civile était pleinement, effectivement et activement prise en compte au processus ITIE en RDC. Car selon les valideurs, c'est l'élément le plus fondamental pour atteindre les objectifs de l'ITIE et pour mieux se conformer à la norme et être dans les bons. Le secrétariat technique de l'ITIE RDC a échangé avec les acteurs de la société civile sur leur participation libre aux travaux de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC. La RDC est en train de préparer sa validation dont le processus commence au mois de janvier 2022. Il y a beaucoup de critères, des exigences qui doivent être remplies. Il y a un des problèmes par rapport aux menaces que la société civile aurait reçu de la part du gouvernement ou des autres acteurs qu'il fallait identifier d'abord. Nous étions en train d'identifier des cas de menaces et ces cas se sont passés où et ça doit être pendant la période de 2018 jusqu'à ce jour. Nous allons les documenter, c'est ce qu'on était en train de faire aujourd'hui et nous allons les transmettre plus tard lundi
au secrétariat technique pour qu'il puisse mettre dans l'ensemble, dans les lots des dossiers que les validateurs doivent avoir besoin lors du processus de validation. Nous vous l'avions dit au début de ce journal, la réunion du Conseil des ministres, bien la tradition a été respectée. Les vice-premiers ministres, les ministres d'État, ministres et vice-ministres se sont retrouvés autour du Premier ministre pour la 33e réunion du gouvernement en visioconférence. Le compte-rendu vous est proposé ici par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Adoption d'un relevé des décisions de conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre a porté sur 6 points principaux, à savoir 1. De l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Le Premier ministre a adressé en son nom et au nom de tout son gouvernement des vives félicitations au président de la République, chef de l'État, pour les avancées accomplies à mi-parcours sous son leadership, tant sur les plans sécuritaires, diplomatiques, politiques que socio-économiques, bien que des défis soient encore importants. Le Premier ministre a attiré l'attention de membres du gouvernement sur un point important que le président de la République a mis en exergue durant son adresse à la nation et qui a toujours été sa lutte dans les échanges qu'il a avec chacun des membres du gouvernement, à savoir des actions à impact visible et social que la population attend avec impatience. Il a exhorté les membres du gouvernement à travailler davantage et à obtenir des résultats, chacun dans son domaine respectif. Il a conclu son propos en paraphrasant le président de la République. L'année 2022 doit véritablement être l'année du social pour le peuple. Le président de la République l'a ainsi rappelé avec pertinence. Le peuple est insatisfait, que cette interpellation soit notre leitmotiv. Le deuxième point de la communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté sur la fin de la 13e épidémie à virus Ebola à Beni, dans le Nord Kivu. Le Premier ministre a salué la fin en République démocratique du Congo, le jeudi 16 décembre 2021 dernier, de la 13e épidémie d'Ebola qui s'était déclarée au mois d'octobre dernier dans le Nord Kivu, principalement dans la zone de santé de Beni. Il a indiqué que cette énième victoire contre cette maladie, dans un temps relativement court, démontre à suffisance que nos équipes sanitaires continuent à faire preuve de leur expérience et de leur abnégation, en dépit des conditions de travail difficiles. Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre a félicité et encouragé tous les professionnels de santé qui se sont engagés dans cette riposte. Le troisième point de la communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur la recrudescence de cas de COVID. Face au nombre croissant de nouvelles contaminations au coronavirus, avec ce nouveau variant Omicron, particulièrement à Kinshasa, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de rappeler l'exigence du respect strict des gestes barrières et des mesures complémentaires prises pour lutter contre cette maladie. Il a encouragé les membres du gouvernement à prendre des dispositions pour sensibiliser la population à la vaccination et à limiter les contacts, notamment dans leurs audiences et dans leurs activités respectives. Le point 4 de la communication du Premier ministre a porté sur l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Le Premier ministre et chef du gouvernement a exprimé la satisfaction du gouvernement du fait que la rumba congolaise ait été inscrite par l'UNESCO le mardi 14 décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une grande fierté pour notre pays et pour sa culture, qui doit désormais être pensée comme un des leviers importants concourant à notre développement. Le Premier ministre a félicité les artistes musiciens congolais, dont les œuvres, au-delà de l'aspect d'agrémentation, participent au rayonnement de notre culture. Et c'est ce qui a conduit à cette consécration de la rumba congolaise.
Cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité met en scène le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, qui a désormais l'obligation de travailler pour profiter de ces nouvel élan et montrer que la République démocratique du Congo est véritablement le berceau de la rumba. Le cinquième point de la communication du Premier ministre rapportait sur la tenue de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Le Premier ministre a informé les membres du gouvernement de la tenue en cours à Brazzaville depuis le 16 décembre et jusqu'au lundi 20 décembre prochain de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Il a encouragé les ministres de l'intégration régionale ainsi que les ministres sectoriels concernés par l'une ou l'autre question traitée au cours de cette session à prendre toutes les diligences afin que notre pays préserve ses acquis et consolide ses rapports avec ses pays voisins. Les derniers points de la communication du Premier ministre a porté sur la conclusion de la mission des revues du Fonds monétaire international. Le chef du gouvernement a salué la note concluante et satisfaisante attribuée à la République démocratique du Congo par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international à la suite de la première revue au titre de l'accord de facilité élargie de crédit. Cela permet les décaissements immédiats de près de 213 millions de dollars américains en faveur de projets de développement en République démocratique du Congo. Considérant ces résultats positifs à l'actif du gouvernement, le Premier ministre a tenu à encourager et à féliciter toute son équipe pour cet effort commun. Il a insisté pour que les efforts continuent à être faits, car ce programme triennal permettra à son terme à notre pays de bénéficier d'un décaissement global de 1,5 milliard de dollars américains. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres des séjours relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a fait le point sur l'état du territoire national, qui demeure généralement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie est du pays où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par des réactions et commentaires sur le message du président de la République à la Nation le 13 décembre dernier, par deux commentaires consécutifs à la confirmation de la quatrième vague de la COVID-19 avec la présence du variant Omicron en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a aussi informé le Conseil des remous constatés entre les partisans du gouverneur démissionnaire de la province du Nord, Oubangui Agbadolité, et les opposants à son retour en vue de continuer l'expédition des affaires courantes après avoir remis sa démission au président de la République. Dans ces mêmes chapitres, il a fait mention des crises dans les provinces du Sud Kivu et du Sankuru qui l'ont obligé a appelé en consultation à Kinshasa les animateurs des institutions provinciales concernées. Il a terminé son propos en annonçant la tenue du 22 au 23 décembre prochain à Kinshasa de la conférence de gouverneurs. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de la situation dans les trois zones de défense. Il a indiqué que la troisième zone de défense concernée par l'état de siège a fait l'objet d'une évaluation exhaustive par la grande mission qu'il a conduite sur place. Dans cette mission, il était accompagné de 9 parlementaires, députés et sénateurs, 13 officiers généraux, des conseillers des ministères de la Justice et des conseillers du ministère de l'Intérieur. Toutes les questions liées à l'état de siège ont été abordées. Il en fera rapport détaillé dans le prochain Conseil de ministres. En marge de cette activité et durant son séjour, cette fois-ci en Ituri, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rencontré son homologue de l'Ouganda. Quant aux opérations concertées et ciblées entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais UPDF, le ministre de la Défense a indiqué que les deux forces engagées ont lancé
des travaux de réhabilitation sur les axes Mbaou, Kamango, Nobili, Kamango, Semliki, Beni pour faciliter et sécuriser les mouvements des militaires et des déplacements de population. Dans le cadre des actions civilo-militaires, les deux armées ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et ont installé des centres médicaux à Mukakati et à Kakibombo. Il a conclu son propos en précisant que dans tous les secteurs opérationnels, l'alerte de nos unités reste maintenue. Les opérations de traque se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés, l'objectif étant de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a informé le Conseil de la situation globale de la pandémie à COVID-19. Il a confirmé la survenue déclarée le 13 décembre dernier de la quatrième vague et la notification de la circulation du variant Omicron. Ces derniers, très contagieux, mais dont la dangerosité demeure faible par rapport à la souche Delta, ce qui explique des statistiques énormes de contamination, mais de faibles cas d'hospitalisation. 200 lits de l'hôpital du Cinquantenaire ont ainsi été réquisitionnés par le gouvernement pour renforcer à titre préventif la capacité d'accueil et de prise en charge dans l'hypothèse où des cas de maladies, de contaminations nécessitent hospitalisation. Et face à la grippe saisonnière qui sévit, en même temps que la pandémie, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a recommandé à tous les compatriotes de se faire consulter, de faire un test COVID régulièrement, d'observer, de faire respecter les gestes barrières et surtout de se faire vacciner pour se prémunir de formes le plus graves. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 32e réunion tenue le 10 décembre 2021. Au chapitre 4 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et l'adoption de dossiers, un dossier concernant le rapport relatif à l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil les dossiers relatifs à l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, établissement créé par décret numéro 20/032 du 31 octobre 2020. Consécutivement à la communication du président de la République, faite lors de la 32e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et Petites et Moyennes Entreprises, a évoqué quelques actions qui ont été menées pour conduire à bien cette initiative qui permet le financement de projets de jeunes, notamment la mise en place d'une task force composée de tous les acteurs, parmi lesquels la présidence de la République, la primature, le ministère de l'Environnement, de l'Entrepreneuriat et des PME, du Portefeuille, des Finances, des Mines, de la Banque Centrale du Congo, du FOGEC, l'Autorité des Régulations de la Sous-traitance du secteur privé, l'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat au Congo ANADEC, la Commission PME de la Fédération des Entreprises du Congo, ainsi que l'Association Congolaise des Banques. Le ministre d'État, ministre des PME, a sollicité du gouvernement l'autorisation pour que les ministres en charge de l'environnement, des mines, des finances, de contresigner avec lui des arrêtés interministériels de détermination des quotités du Fonds d'intervention pour l'environnement FIP, du Fonds minier pour les générations futures FOMINE, au titre de ressources du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Il a été complété à ses propos par la vice-ministre des Finances. Avec la mobilisation de toutes ces ressources du FOGEC dans les délais, sa participation à l'actionnariat de l'Institut financier spécialisé sera pertinente, car à terme, l'objectif visé par le ministère est de s'inspirer du modèle du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME, qui, à la suite de deux concours de plans d'affaires, venait d'octroyer des subventions directes à plus de 430 PME établies
en raison de 75 000 $ par PME et à 960 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié chacun d'un montant compris entre 17 000 $ et 22 000 $. Par ailleurs, près de 1 500 femmes entrepreneurs bénéficieront sous peu du même accompagnement du programme PADEM-PDME. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Un texte, projet de décret. La vice-ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage de la stratégie des réformes des entreprises publiques, des finances publiques. Placés sous l'autorité du Premier ministre, ces comités veillent à la mise en œuvre harmonieuse du programme des réformes de finances publiques au niveau provincial et national. Il en assure la supervision et le suivi. Elle a indiqué que le présent projet de décret fixe le cadre institutionnel pour la gouvernance de la réforme de finances publiques, lesquels comprend 4 organes, à savoir le comité gouvernemental, les secrétariats techniques permanents, le comité provinciaux et locaux, les sous-comités techniques et travail. Pour le gouvernement, l'enjeu consiste à renforcer la coordination de la mise en œuvre de la réforme de finances publiques congolaise. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces projets de décret. Commencé à 11h45, la réunion du Conseil a pris fin à 14h24. Je vous remercie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours, voici les rappels des titres. À quelques heures de l'ouverture à Istanbul du 3e sommet Turquie-Afrique, les ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique et celui de la Turquie étaient en réunion préparatoire. Cet avant-midi, vous avez suivi dans ce journal cette réunion co-présidée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les motocyclistes sans plaque d'immatriculation passent certainement leurs derniers jours sur les artères de Kinshasa. Le gouvernement provincial est formel. Aucune moto sans plaque devra rouler à Kinshasa d'ici janvier 2022. À 2 semaines de la fin du moratoire, la campagne de sensibilisation s'intensifie sur le terrain pour les appeler à l'ordre. Également dans ce journal, nous vous avons proposé des passerelles d'affaires qui se sont ouvertes entre le Maroc, les USA, la République sud-africaine et la République démocratique du Congo par le Congo central. Des partenaires ont été signés dans ce sens par la Chambre de commerce de l'industrie du Congo central. Merci à vous qui nous suivez par tout à l'heure sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. José Baïtouambo, grand, sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir et bonne soirée.